Si on regarde le motif, en fait, on voit qu'il est en deux séquences. Donc j'ai une montée ici et une petite descente en petite vague ici. Donc là, j'ai fait la montée. Maintenant, je change de tour de carte pour faire la petite vague. Donc je tourne deux cartes vers la droite, trois vers la gauche. Je repars deux à droite, trois à gauche. Je reviens de l'autre sens. Vous voyez que c'est assez complexe pour vraiment bien se souvenir du tour de carte qu'on a fait. Donc pareil, je retasse. Et là, j'ai le petit crochet qui va apparaître juste ici. Je repasse la navette. Hop, vous voyez le final, le motif qui se recrée juste ici.